bonsoir. Et jeudi, c'est jeudi 14 mars 2024. Yon plaisir l'autre fois encore pour entrer la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Quelques nos grands points cap dominé actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, formation conseil présidentiel transition en impasse après délai 24 à 48 heures CARICOM avec États-Unis et bail pour diverses parties ou alliances voyez représentants. Évacuation a continué dans pays d'Haïti, Nations Unies annoncé li commencé depuis hier mercredi à retirer tout personnel qui pas essentiel dans pays à cause escalade violence là. États-Unis élection électeurs américains a paré pour faire un choix encore entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump dans l'élection qui vient pour dérouler 5 novembre 2024. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour nan yon ti moun merci d'esko choisi VOA Creole pour informer yo et nous connaît depuis quelques semaines et ben actualité assez nan pays d'Haïti et ben formation conseil présidentiel de transition li nan impasse après délai 24 à 48 heures que CARICOM avec les États-Unis te bay pour et ben alliance yo parti yo regroupement yo voyez yon non pour capable former Conseil ça cependant et plusieurs dirigeants politiques dans le pays d'Haïti estiment que conseil présidentiel là capable une source d'instabilité. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel. Démarche pour mettre sous pied conseil présidentiel là pas fait unanimité dans classe politique là. Pour certains responsables de parti, un conseil présidentiel avec 7 membres c'est pas une véritable source d'instabilité pour le pays d'Haïti. Junior Bateau avec Francisco de la Cruz. Comment l'État va jouer un moyen pour le payer 7 présidents? Il n'y a pas besoin de faire 7 cabinets, il n'y a pas besoin de sécurité, il n'y a pas besoin de privilèges, il n'y a pas besoin de gagner les cortèges. Côté l'État, il y a besoin de ressources pour le pays. Nous avons demandé à qui ça va aboutir, l'homme va gagner un conseil de 7 membres. Puisque le pays a déjà détruit sur le plan économique, sur le plan social, déjà une division, déjà, la très difficile pour gagner 7 présidents, pour gagner un entente. Moi, je pense que c'est parce que International Commission pour nous, pour démontrer que par A plus B, nous ne sommes pas capables d'arriver à joindre un projet d'ensemble. Nous ne sommes pas capables d'entendre entre nous. Et probablement, son façon pour capable de nous dans la crise là pour ne pas jamais sortir. Dr. Fritz Bisret, qui est un initiateur du Congrès national Wanamet pour une nouvelle Haïti, abondé dans le même sens là. L'histoire de la question du Conseil présidentiel là, c'est l'histoire du désastre, c'est l'histoire de la catastrophe. Est-ce que vous voulez mener nous encore vers le 29 novembre 87? Est-ce que c'est là encore que vous voulez mener nous? Comme élément solution à la crise haïtienne, dirigeant parti politique Sayo propose un exécutif à deux têtes, un président qui a sorti dans la Cour cassation et un premier ministre. Fidélité nous, attachement à la résolution du Congrès national Wanamet qui mandait un gouvernement bicéphale avec un président issu de la Cour de cassation, parmi les juges régulièrement nommés comme premier verrou, et deuxièmement, dont le parcours n'est sujet à caution comme deuxième verrou. N'a pas de pays à camper des projets nationaux, camper des cours de cassation, pas quitter, pas pays à pas qu'à encore, nous pas qu'à faire plus de temps. N'a pas souligné, à l'exception de parti Petite Dessalines, à Réveil National, majorité parti, organisation et regroupement de parti déjà soumettent non représentants à CARICOM dans le cadre de mise en place conseil présidentiel. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel et tout débat ça yo a fait après que premier ministre haïtien Ariel Henry annoncé que eh ben gouvernement l'a dirigé a d'accord pour lui mettre sous place un conseil présidentiel de transition et question tout a posé côté premier ministre Ariel Henry eh ben nous allons rejoindre un envoyé spécial nous Valerio c'est lui qui trouve le dans San Juan Porto Rico, et nous connaissons que c'est là que le premier ministre Ariel Henry était, d'après information que nous avons gagné. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, c'est envoyé spécial VOA Creole. Valerio, s'entendez dans ce monde. Bonsoir, Jacqueline. Depuis San Juan Porto Rico, justement, le premier ministre Ariel Henry, c'est dans San Juan Porto Rico que d'après service de presse, la Maison Blanche. Donc, officiellement, la Maison Blanche fait qu'on est que le premier ministre Ariel Henry est dans Porto Rico. Mais je vois que sous place, c'est justement ça. Nous, là, la PCUS est capable de localiser, de rencontrer éventuellement. Et tandis ça, le dit, après que tu as l'émission, nos vidéos que tu fais circuler.
et bien pendant que nous avons cherché pour nous à Yann Henry, on peut connaître tout le monde qui est là. S'il vous plaît, c'est plutôt une installation militaire. En tout cas, c'est fort pour canon qui sont installations militaires pour les deux selon l'information que nous avons cherché, qui avec l'information non vérifiée. Il a fait connaître que c'est là que le ministre a été taillé avec des collègues. Et bien, VOA qui ont déplacé pour vérifier l'information. Les nous arrivons dans Fort Boucanan, nous demandons des responsables, et bien, ils ont dit nous, ils n'ont pas d'information, ils n'ont pas connaître. De qui ça n'a pas lié. Donc, information qui nous confirmé pour justement responsable qui ont même dans Fort Boucanan à propos de ces pigots installations militaires dans les Caraïbes. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, VOA qui a cherché pour le ministre. Nous avons tous étudiants haïtiens qui ont fait une première manifestation côté que Ariel Henry descend dans l'hôtel côté TEA. Et bien, ils continuent à chercher le Premier ministre et nous parler ensemble avec. Jeune Sayo a étudié dans l'université d'État dans la ville San Juan dans le pays Porto Rico. Il a réuni pour parler sur la situation du pays. Il a participé à la première manifestation qui était faite devant l'hôtel côté que le Premier ministre Ariel Henry descend dans la ville San Juan. Il a réuni, il a réfléchi, il a calculé, il a cherché Ariel Henry. Yo ta yame konen kote liye nan mouman nan San Juan, Porto Rico. Et quel que soit kote Ariel Henry ta yé nan vilan, yo prale pou yo fè manifestation yo lòt fwa ankor. Paske Ariel Henry ki démissionne comme premier ministre pa asè pou yo. Jusqu'à présent, nou pa konn ki bo liye, sa ve di... Nou pase le San Juan, Porto Rico toujou? Et bon, par rapport avec kek media international, kek artik nou li, yo di li Porto Rico toujou, mais selon anket nou te mene pou te konn kote liye, bon, jusqu'à présent nou pa konn kote liye, mais li toujou la. Depi nou konn kote liye, nan prive, nan balon sa kat. Premier ministre ici à Porto Rico toujours. Et il y a un peu de nous qui senti que venir premier ministre était plus facile pour lui Porto Rico. Mais il était oublié si nous avons une communauté qui est très unie ici en Porto Rico, à San Juan surtout. Nous n'avons pas quitté l'occasion de passer pour ne pas demander premier ministre pour le démissionner. Mais si le San Juan, c'est sûr que nous avons croisé. Et si nous venons San Juan, si nous avons un côté lié, qui s'en a fait ça? Bon, on connaît. Il y a un peu de monde qui a une réaction différente. Moi-même, peut-être, je dois dire deux ou trois mots, mais très gentil, mais il y a quelqu'un qui doit foncer sur lui. Non, pas moi, c'est Francette Calixte. Moi, ici, Porto Rico, pour me faire un doctorat en commerce international. Si le pays a crasé net, je ne vais pas côté pour me tourner. Nous tendons à dire que c'est toujours Porto Rico, mais nous ne pouvons pas connaître exactement dans quel hôtel lié, qui bon lié, dans quelle zone lié. Mais moi-même, personnellement, tout autant je ne pas attendre Ariel Henry dans la prison. Je ne suis pas en paix parce que trop sang coulé, trop de monde mourir sous en bas, j'ai Ariel n'a pas dit un mot. Tout le temps, je m'attendais Ariel Henry dans la prison, je ne suis pas en paix. Nous avons rencontré tous les étudiants et professeurs étrangers qui ont même rejoint à cause étudiants haïtiens qui ont cherché Ariel Henry dans la ville San Juan. La situation à Haïti, bon, moi, du coup, du point de vue de la France, de ce que j'ai vu quelques documentaires, quelques reportages, situation très compliquée. Des gangs armés, exactement. Beaucoup de gens qui se font assassiner chaque jour. Et personnellement, ça m'attriste énormément. J'espère que ça ne résume pas l'état d'Haïti et qu'il y a d'autres choses. Et qu'un jour, je pourrai y aller. Et puis, j'entends que des choses négatives. Donc, je voudrais voir comment c'est vraiment, parce que je sais que c'est un pays très riche. C'était pas très agréable la visite parce que, en fait, c'est que ce qu'on peut voir, ou moi, à mon avis, je vois qu'il n'a pas fait beaucoup de choses pour le peuple haïtien. En tout cas, il a déjà démissionné, donc je pense que ça c'est le premier pas. D'accord. Mais il faut voir ce qui va arriver après, non? Parce que ça c'est la première partie, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment avec Haïti, c'est le plus important. Donc Valério, c'était opinion et groupe étudiant Sayo. Mais Valério, qui pour jour pensait que groupe étudiant Sayo gagne encore parce que y a tout le monde a cherché côté ancien premier ministre Ariel Henry. Les étudiants ont été tenaces. Ils ont dit qu'ils ont d'ailleurs fait un groupe WhatsApp, ils ont fait des groupes sur les réseaux sociaux pour qu'ils aient communiqué ensemble avec d'autres. Ils ont d'ailleurs fait plus de monde fois ça si ils arrivent jeunes du côté du Premier ministre Ariel Henry. Et d'après, encore une fois, que Maison Blanche est confirmé que le Premier ministre est dans Porto Rico. Les étudiants ont attendu justement de la part de la Voix d'Amérique de Wakerol pour nous dire au côté du Premier ministre. Donc ils attendent et ils ont dit qu'ils vont manifester, quel que soit côté du Premier ministre, dans Porto Rico. Merci Valério. Valério, c'est envoyé spécial VOA Creole. Il est trouvé dans San Juan, Porto Rico. Il était dans Kingston, Jamaïque. Et qu'on y a trouvé dans Porto Rico. Merci en pile Valério. Donc rendez-vous demain pour l'autre information depuis Porto Rico. Quand on a quitté Porto Rico, nous pourrons aller dans Port-au-Prince pour nous qui je sais, notamment avec du feu ça qui éclaté dans la pénitentiaire nationale dans Port-au-Prince et avec manifestation qui fait dans la rue. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire pour détails.
du feu pété dans le pénitencier national Port-au-Prince-là jeudi matin. Vidéo montrait gros nuages la fumée cap sorti dans l'installation, hein, côté nèg exam t'a libéré prisonnier yo, pi bonheur moi ça. Il pas clair si t'es gain prisonnier qui t'est toujours fermé dans prison. Nous pas connaît non plus qui ça t'est causé du feu. Haïti a goumen pour résoudre crise politique et sociale qui la cause plusieurs milliers moun obligé courir quitter caillou pendant que gang améo a valé plus terrain. Bloc régional CARICOM nan détaillé un plan pour parti politique haïtien yo ak secteur social yo travaille ensemble pour former un conseil transition présidentiel qui va gagner 9 membres qui pourra diriger pays. Après Premier ministre Ariel Henry, qui pas élu, a annoncé démissionné lundi. Négociation sur qui est-ce qui fait partie du conseil a été déroulée dans la Jamaïque lundi. Leader caraïbéen avec secrétaire d'État Anthony Blinken a patronné rencontre ça. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait aucune annonce officielle pour dire qui est-ce qui peut faire partie du conseil là. Citoyens yo t'es profité baisse dans actes violents yo pour y faire achat et puis prendre l'argent la banque. L'école à pompe gaz yo était fermée. Transport public a commencé à fonctionner et moun te kawè plus haïtiens dans la rue. Priorité numéro 1 en pile moun, c'était prendre l'argent. Banque yo recommencé l'ouvrir après yo t'es passé presque 10 jours fermé à cause de violence gang yo. En pile citoyen t'es profité pour y faire provision tout. Deux principales aéroports yo avec Port Haïti étaient fermés. Sandra Lemaire, VOA Créole. Malgré le calme qui gagne dans Port-au-Prince, ça n'a pas empêché que l'ONU annonçait que depuis hier, il commençait à retirer personnel qui n'est pas essentiel dans le pays d'Haïti à cause, et ça nous, ça a dit que c'est escalade, violence là. Et Jean-Aubert Philippe, ou même cap suivre dossier ça pour nous, eh ben, et c'est pas premier, et pas premier évacuation qui fait, c'est, il y a une liste d'évacuation qui fait. Effectivement, Jacqueline, son évacuation a commencé depuis notre commencement maintenant, en particulier avec l'ambassade américaine. Eh bien, on a dit que la communauté internationale, là, en général, a fait un pile d'efforts et a profité de l'accalmie apparente qui a gagné là, pour essayer d'évacuer le maximum de monde possible. Cependant, il y a des difficultés pour connaître qui quantité de monde qui déjà évacué et qui quantité de monde qui est là souterrain et qui a besoin d'évacuer. Surtout, le monde qui est bloqué, soit par cause du temps en vacances, qui a besoin de retourner côté dans le pays, côté où il y a travail, là, pour revenir dans le travail. États-Unis, Union Européenne, l'Allemagne avec Nations Unies continuent à évacuer personnel non essentiel en Haïti. Dans un moment, un peu clair sur le déploiement de forces police multinationales. Les États-Unis commencent l'évacuation depuis le commencement de la semaine. Même jour, ils ont déployé souterrain Marigno pour protéger l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Condition sécurité a cap dégradé chaque jour, forcé l'ONU déplacer personnel qui pas essentiel. Cependant, personnel cap travaille dans activité importante organisation internationale là, a continué travail d'après chef porte-parole, secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Pendant ce temps, Nations Unies a annoncé la mettre en place un pont aérien ensemble avec République Dominicaine pour permettre assistance humanitaire arriver joindre population haïtienne qui en a besoin. Évacuation Sayo a fait après Kenya campé temporairement sous déploiement force multinationale là en attendant conseil présidentiel là installé à nomination du premier ministre avec un nouveau gouvernement. Une assurance autorité kenyan yo bay administration américaine qui t'a exprimé inquiétude li. Pendant ce temps, un peu clair sous date conseil présidentiel là installé pour gagner un nouveau premier ministre avec un gouvernement après une nouvelle yo rapporté acteurs politiques yo gen difficulté pour choisir représentant yo ou bien désister tout simplement pour désigner les représentants dans le conseil présidentiel. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, il y a une réaction qui continue à tomber, notamment surtout, et Washington fait connaître par exemple, Mountaku Guy Philippe, il n'est pas qualifié pour le faire partie du conseil et présidentiel de transition. Et Guy Philippe tout répond pour dire que
CARICOM, c'est pas droit CARICOM pour décider qui est-ce qui pour diriger pays, qui est-ce qui pour aller dans conseil là. Et puis il y a une réaction tout colonel Himmler Rebu qui c'est leader parti gré qui réagit sous et militaire américain qui arrivé en Haïti à conseil présidentiel transition yo, il était dans micro et devant caméra correspondant à Port-au-Prince Ouena Toussaint. C'est pas moi qui dit ça. C'est le gouvernement américain même qui dit ça. Il dit nous que Marines sont venus pour protéger l'ambassade et pour permettre que yo évacuer de citoyens qui tap travail pour yo ici et qui besoin de sécurité donc yo chose. Bon, non songer et monsieur Stromae te dit nous et pas tab gain une transition dans la transition. Donc on a dit nous les Marines sont là pour protéger l'ambassade. Par exemple, vous donnez dans pile monde qui te dit que yo pas d'accord avec force multinationale qui a venu. Sous un papier monsieur Ofea, yo dit pour accepter rentrer dans collège là, c'est que ou accepter résolution 2399 là pour appliquer qui permet que force la venir. Il faut tout signer. Acteur qui doit continuer dans faire collège présidentiel là. Si on continue, moi prévois pour aboutir à une bataille. On guerre de position, nous pral ouais, pas oublier non. Docteur Ariel Henry dit un petit parole, un bon petit parole mettre dans moi. Li dit d'accord pour le démissionner dès que yo mettez collège en place. Faut pas oublier non. C'est pas au hasard monsieur dit dès que yo mettez collège et parce qu'on connaît. Bataille haïtien pral faire. Nous on avoir Ariel Henry premier ministre là pendant 2-3 mois encore. Bien que je connais, il y a l'autre décision qui peut être faite et une accélération qui peut être mise dans le bail. Maintenant, la bonne décision pour mettre tout le monde tranquille, nous n'avons qu'à aller dans la cour de cassation, nous ne prenons pas mes juges qui étaient nommés régulièrement, ils ont battu la charge de la direction de l'État et qu'on y a les réunis, ils prennent des décisions, laissent ça, et tout le groupe qui a été dans la rue, pas qu'à venir et que c'est tel groupe qui gagne, hein? Il n'y a pas d'accord 21 décembre, il monte dans le pouvoir, il n'y a pas d'accord et Montana, etc. Nous sortis en dans question ça. Donc c'était ancien colonel Himmler Rebu qui c'est leader gré. N'a continué avec l'autre réaction et qu'on y a nous pral dans Wanamet, nous pral rejoindre correspondant nous Jodley Junior Saint-Ville. Plateforme Jeune Odès, PGNE. Yon organisation dans société civile Wanamet lan, en même temps, même congrès national Wanamet, qui lui-même réunit plusieurs organisations nan niveau national, dans l'idée pour joindre yon solution à crise kap sakaje pays ya. Nan yon conférence pour la presse, hier mercredi 13 mars 2024 la, dénoncé résolution CARICOM lan, qui mandé formation yon conseil présidentiel, kap gen la dan 7 membres. Cher enfant, mon bêta, t'es parlé dans nos plateformes Jean Odès. Nous-mêmes, membres dans la société civile, là, c'est avec un peu de tristesse que nous avons constaté, malgré la grosse bataille que nous avons menée pour te sortir dans l'esclavage, mais l'Occident voulait montrer nous le contraire. Mais nous démentis 7 fois, 77 fois, nous pas accepter poison. Cacheter ça, que CARICOM et les Nations Unies portent nous pour nous valer. Pour Naoum Chal, membre Estrictia, le Congrès Wanamet est déjà clair dans la proposition qu'il a faite. Quand nous avons proposé pour qu'il y ait dans la Cour de cassation, pour qu'il y ait choisi un président, et de concert avec les forces publiques, pour qu'il y ait capable de choisir un premier ministre, et encore, pour qu'il y ait capable de choisi, eh bien, yon et conseil de contrôle qui d'abord est composé de 10 membres qui d'absorbent dans chaque département avec l'international national là, eh bien, côté que, et proposition noire, donc, li rejeté et nous tendez que c'est yon conseil présidentiel de 7 membres qui et choisi pour diriger le pays. Pour finir, même Congrès national Wanamet lan, te lancé un message ça. Solution pays, c'est à la haïtienne pour le prendre. Nous ne pouvons pas coloniser encore. Nous demandons tout
acteurs politiques, pour yon mette tête yon ensemble, pour yon jouer yon bonne solution, pour yon remettre pays à sous rail. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. N'a pas quitté Nord-Est et nous prenons dans Grand-Est, puis précisément dans Jérémy, côté que nous prenons joindre Mackinson Charles qui prend le poté pour nos réactions par rapport toujours avec Conseil présidentiel de transition. Réaction continue de tomber bon côté quelques monde dans ville Jérémy sous proposition CARICOM fait avec différents acteurs dans le pays pour mettre campé en place un conseil présidentiel 7 membres. Porte-parole FRN dans Grand-Est, Fritz-Gérald Frédéric, estimé c'est grâce à Révolution, ancien sénateur de Grand-Est, Guy Philippe, apprenait depuis Retouli dans le pays d'Haïti, qui rivait à coucher toute l'idée pour remplacer Premier ministre Ariel Henry, qui d'accord pour lui remplacer par un conseil présidentiel. Question bouik travail, choix le galonnéen, nous pas prendre le CARICOM. Tout le monde clair dans le pays, tout le monde clair son bagay, c'est Guy Philippe qui vient là, qui vient mobiliser toute population. Et Guy Philippe sorti de la prison, il vient mobiliser toute population. Population tellement quoi en Guy Philippe, tout le monde met le corps dehors, finalement, et révolution prêt à l'aboutir. Grand bande politicien radical qui te dit au parlant de révolution. Paquet là, on te dit au parlant de révolution. Pendant 40 ans, cuite là, ils veulent venir empêcher le peuple de manger 40 ans. Donc 40 ans, c'est pour le peuple en libre. Donc, CARICOM, qui veut faire magouille avec révolution peuple, nous dit CARICOM, bien compté, mal calculé, parce qu'il a fait bouille de travail, choix le galonnel pas passer. Leader peuple, c'est Guy Philippe. Pour quelques autres citoyens, Guy Philippe, c'est meilleur choix dans le moment. Pendant que vous voyez jeter toute initiative CARICOM à divers acteurs dans l'international, là, vous les prenez en faveur pays d'Haïti. Nous-mêmes, jeune Jérémy, nous dit nous pas prendre comme ça. Parce que nous, on a un CARICOM qui fait là, qui n'est pas bon pour nous. Parce que nous-mêmes, dans l'école, l'un d'après balle là, CARICOM pas de prendre avec nous. L'un d'après brimadio, CARICOM pas de prendre avec nous. L'un d'après dans le cachet, CARICOM pas de cacher ensemble avec nous. Nous disons CARICOM pour le faire back avec décision là. Nous avons Guy Philippe là, c'est lui-même qui l'idée à nous. Nous avons accompagné avec Moïse Jechal pour mettre le pays sur l'autre bonne pente. Nous pas d'accord avec ça, on va venir avec congrès bagarre conserver avec 7 moun, nous pas d'accord avec 7 moun. Sous qui texte de loi que CARICOM qui arrivé décider pour nation. Ça qu'a fait l'anguille salié, n'est-ce que besoin pour Ariel rester là, yo mettre en confusion là. Yo juste besoin faire temps passer parce que qui ça moi comme si c'est Ariel caché derrière, c'est même disciple toujours. Ça pas qu'a fait. N'a fait CARICOM continuer bataille. Si c'est comme ça n'a bataille net. Une pas frapper pied en terre, Ariel t'a pour un mandat 5 ans là. J'aimerais pas jouer là. C'est grâce avec Guy Philippe. Mais bout de moment là, ça passe là. Et même nous, même celle nous cachons à Haïti, pendant que nous mettons le côté là, faut poser, faut calmer. Faut calmer ce bagage ça. Décision ça, au moins décider pour le peuple là. Il y a une situation qui a gagné en pile inquiétude dans la population à cause en tant qui peut arriver à joindre en tant que pour arriver à mettre campé un gouvernement en place pour diriger le pays. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Nous sommes dans l'Ouest, nous passons dans le Nord-Est, nous passons dans le Grand-Est, qu'on y a nous parlons dans la diaspora haïtienne, qui mène nous dans la ville Paris pour nous toujours gagner réaction communauté haïtienne sous ce qui a passé dans le pays d'Haïti avec Edouard Franklin Jedems. C'est que le conseil présidentiel par l'entrée dans le cadre de la Constitution, parce que l'article 149 là, il est clair et il dit qu'il faut que c'est dans la cour de cassation pour nous aller. Nous aurions été quoi que si CARICOM voulait réellement aider nous à résoudre la crise là, il faut qu'il soit capable d'accompagner nous autour d'une structure bicéphale avec un président et un premier ministre. Le collège présidentiel proposé par CARICOM, c'est un ensemble de représentants de plusieurs secteurs. Donc, moi, ce que, à titre personnel, ce que je reproche dans ce consensus, c'est qu'on devrait avoir un membre qui représentait notre pays parce qu'on est concerné. Moi, je voulais dire nous que c'est un moment de tristesse pour moi-même, pour nous voir comment que la communauté internationale là, en particulier les corps groupes, les traiter nous comme des boniches. La crise, n'a pas gardé journée aujourd'hui à sur Haïti, c'est une crise qui est liée avec de gros intérêts. Mais des intérêts qui gagnent à ouais si tout avec ça nous capable gagner la canon comme matière première. Mais malheureusement, Haïti pas gagné monde qui pour défendre ni dans situation qu'il y a. Il pas gagné classe politique, il pas gagné bourgeoisie, il pas gagné élite, il pas gagné intellectuel, il pas gagné même jusqu'à ce que t'as pas dit même peuple, il pas gagné. Ils ont décidé lâcher bouche pour dire son ingérence de la part de la communauté internationale et également du CARICOM. Disant là, ou pas qu'à fond pays pousser l'autre
petit pays qui a côté. Regardez, là, on parle des pays de la CARICOM. So, c'est comme si c'était des petits provinces pays d'Haïti. Oui. Je dis, il faut que Haïtien prenne destin en main. C'est ça fait m'a dit que nous avons besoin des personnalités importantes, je dis, hein, des nouvelles têtes dans la politique là, qui pourraient pouvoir par la force. Et puis, gagner ou bien M. Azam, j'en ai dit, nous pas capable de dialoguer avec eux politiquement parlant. Monsieur Dame CARICOM yo mandé monsieur politicien haïtien pour voir le dossier au balai de quoi pour qu'a décider choisir et décider qui moun la va mettre dans tête pays qui pour gouverner pays là son véritable désordre d'Isaïe. C'est en totale violation avec les lois internationales contre la souveraineté d'un pays. Lors dit au besoin aider un pays ou pas prendre décision pour lui ou accompagner décision pays là. Dans le moment là, pas gen haïtien k'ap viv. Pas gen quel que soit côté que nous dans monde là, pas gen haïtien k'ap viv bien par rapport à ça qui a passé dans pays d'Haïti. Moi même non. Pas ka espérer en rien de international. International fait assez de démonstrations. International fait assez d'espoir, rien pas jamais fait. Je dis à pas ka espérer rien de international. Personnalité ça on dans pays la France tout convergé pour dire son seul bagage qui manque acteur politique c'est unité. Jedems Franklin Edouard depuis la ville Lumière Paris pour la voix de l'Amérique créole. Ou toujours sous VOA créole nous pour l'entrée dans actualité électorale là ici aux États-Unis. C'est aux États-Unis pour ticket républicain et pour ticket démocrate là spécialement après Super Tuesday avec plusieurs caucus. Affiche électorale pour novembre 2024 là pratiquement clair. Joe Biden, Donald Trump. Nikki Haley, ancien ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, qui perdu la Cali dans Caroline du Sud, il perdu tout Super Tuesday, t'es décidé camper campagne li, ça qui quittait pratiquement route la libre pour ancien président républicain Donald Trump pour joindre ticket parti républicain côté libéral en face président démocrate là Joe Biden qui lui-même tout remporté la victoire pour parti démocrate là. C'est première fois depuis 1956 que États-Unis a poué yon bagay comme ça, ouais, deux face à face présidentielle yon après l'autre, les présidents républicains Dwight Eisenhower te bat Adlai Stevenson, adversaire démocrate li qui t'est perdu devant 4 ans auparavant. Pour un pile spécialiste gagné un pile gros point qui t'est divisé deux leaders en 2020 et qui journée jodi a divisé encore tant qu'au immigration, à crise aux frontières États-Unis partagée avec Mexique là, dossier la Chine, dossier la Russie, inflation avec économie, changement climatique semble lié deux gros gayo avec soutien États-Unis à bail Ukraine avec Israël. Électorat américain de l'autre côté plaignait pour l'âge de candidat. Président Joe Biden, qui gagne 81 l'année, c'est président qui pique grand monde qui jamais dirige pays. Donald Trump, qui était dirigé pays, sorti 2016 pour arriver 2020, gagne 77 ans. Donc, il gagne 4 ans de différence avec Donald Trump. Et lui-même, il voulait tourner dans la Maison Blanche pour, d'après ça, dit, faire États-Unis grand encore. Cependant, candidat républicain, lui-même, il trouvait dans un paquet de mêlés avec la justice. Qui donc, 2024, là, c'est une année électorale aux États-Unis et date présidentielle fixée pour 5 novembre 2024. VOA Creole à présent. Oui, comme d'habitude, VOA Creole à la côté actualité ailleurs. Et puis, dans le pays d'Haïti, concernant le pays d'Haïti, il y a un Sénat américain qui approuvait Dennis Hankins, qui sont diplomates de carrière comme nouveau ambassadeur pour Haïti, à qui on vote 89 voix pour et une seule voix contre. Et c'est un vote qui s'est déroulé dans la chambre haute américaine jeudi. Donc, nous connaissons pratiquement nouveau nom. Et ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, c'est Dennis Hankins. C'est là que nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et puis, nous voulons dire, Sophonie lui, Zami Panou, collaborateur nous, eh bien, joyeux anniversaire. Et, forme du tout, que tout service qu'on a remet. Même genre ou même tout ou remet sport en pile. Donc, moi, c'est Jacques Lambéliza. Bonsoir tout le monde. Donc, rendez-vous demain pour une autre édition. Rendez-vous info. Bonsoir.
Bonjour, bonsoir toute famille, amis internautes qui connectent mes 5 nouvelles dans le moment. J'aime toujours dire, c'est un plaisir qui est content pour nous. Chaque fois qu'il y a occasion pour nous, rentrer la caille, notre travail dans le business, non? Et quel que soit côté nous, avec Trash Nouvelles, sur mes 5 nouvelles. J'aime toujours dire, c'est pour la grâce avec confrères et puis consoeurs dans la voix d'Amérique, qui calpote bah nous en détail Trash Nouvelles, ça. Mais nous toujours demander où ça, ou même qu'à regarder nous dans le moment, sur mes 5 nouvelles, pour capable, like Trash Nouvelles, ça, partage. Agile qui est en commentaire et soit peine tombé sous channel ça abonné à elle pour capable aider communauté noire à grandir en pile. N'a pas gardé ça qui gagne comme information là-bas en Haïti, mais c'est toujours après annonce qui était faite bon côté et Ariel Henry pour te annoncer que gouvernement a bail démission après que situation qui terreur qui établit en deux pays depuis 29 février côté en pile monde déjà mouri, policier mouri, commissariat est boulé, policier mouri, prison crasé, prison dit fait là-dedans situation ça que Ariel Henry dit clairement que pas aucun sacrifice qui trop grand pour que les accepter avec gouvernement là pour bail et démission. Mais après annonce ça mais gagné autorité CARICOM yo qui t'ai chita parler avec un ensemble de acteurs haïtiens et tout de représentants pays États-Unis, Canada, la France pour yo tomber d'accord pour que gagne un conseil présidentiel sept membres qui menaient back pays hein. Mais côté que autorité CARICOM yo té ba 48 heures mais depuis là que yo té annoncé ça yo té mandé ça avec autorité haïtienne yo représentant ensemble des estrits haïtiens yo sous question ça mais on 48 heures qui ça s'est fin épuisé et t'a pas gagne 24 temps qui t'a pas par la suite encore pour dire que pour voyer non représentant yo qui t'a de représenter ensemble de secteur bien ensemble de estrictissa yo mais nous ka dit gagné 6 noms qui t'a déjà allé joindre autorité et bien CARICOM yo et parmi 6 noms ça yo nous capable citer gagné Leslie Voltaire, architecte Leslie Voltaire qui est même censé représenter mes familles Lavalas, gagné tout me capable dit ancien député Vicerson Gagné, moi c'est ancien député Tchot qui est même représenté bloc majoritaire en dedans à quoi 21 décembre non gagné tout Laurent Cessier qui représentait secteur privé avec classe économique nationale dit comme ça gagné Fritz Alphonse Jean qui lui même c'est Aqua Montana Marie Ghislaine mon premier qui représentait aider Acred et sans pas oublier là tout gagné de l'autre monde qui yo même représenté y a tant de l'autre acteur qui t'a également fils qui représentait collectif 30 janvier c'est déjà 6 noms monde ça yo qui yo même al représente qui déjà voyé parmi 6 noms monde qui pour al faire partie Sandrile et conseil présidentiel qui pourrait mener back pays après que Ariel Henry même te fin annoncer démission. En attendant, gagné rete un lot représentant qui t'a dû al faire partie. Conseil présidentiel, bien que nous connaissons un pile acteurs qui commençait à faire gros marche, gonfler, qui commençait à tirer pied, commençait à parler en pile avec question collège et conseil présidentiel ça, qui a parlé là, et selon pile acteur ça yo, qui commençait à réagir après causer ça, gagné qui encore plaidé en faveur Sandrile, mais pour aller dans la cour cassation, pour aller prendre un juge qui régulièrement est nommé en dedans de cour cassation, qui respecte ensemble de principes nomination yo et pour permettre que c'est juste ça qui pral mener bac pays dans la période intérimaire ça pour permettre que yo établi sécurité dans pays et organiser élection pour gagner un pouvoir légitime qui prend gouverner pays mais gagner un c'est colonel Himmler Rebu qui lui même clairement montre que mais question collège conseil présidentiel qui a parlé là qui déjà pral mettre campéan li pral mettre un véritable problème en dedans pays et liba garanti pral gen division pirede que Jean te gen ça sous Ariel Henry et selon colonel Himmler Rebu li fait connait que question collègue question conseil ça li pas porter en rien comme solution parce que déjà c'est un crise que pral créer avec ensemble acteurs qui déjà la dernière qui déjà représenté yo et qui déjà représenté ensemble de groupes ensemble de secteurs ensemble de partis politiques ensemble de esthétique yo pral représenter en dedans question conseil présidentiel bien collège présidentiel ça selon ça dit et selon
en dit déclaration à Namet, qui même rencontré la presse tout pour jeudi, et qui regroupe ensemble des escritis politiques, yo même tout voyé jeté question, mais conseil présidentiel ça, yo pour que, et mais acteur yo aller dans coup cassation pour aller des juges qui régulièrement nommé yo pour venir mener bac paysan avec un premier ministre qui a sorti dans consensus dans mi-temps classe politique la société civile là dans mi-temps un ensemble de groupes organisés en dedans pays hein. Mais cette histoire pour aller en dedans et avec sept monde qui pral former un collège présidentiel bien un conseil présidentiel ça déjà pral causer problème selon un mais ça les déclarations Wanamet et vous voulez jeter même Jean que gagné l'idée petite de Saline Jean-Charles Moïse qui même t'est déjà voyé jeter question un mais conseil présidentiel sept membres ça et Jean-Charles Moïse qui même clairement dit que il est bon côté parle avec un réveil national là. Il y a un conseil présidentiel, trois membres qui ont été proposés la fois dernière là, qui gagne la donne Guy Philippe comme président, ou dis-moi ce n'est pas dans l'autre monde qui ont été proposé yo, tant que Guy Philippe, ou dis-moi ça, Judion et Duret Junior, et en même temps tout qui gagne Dr. François Saint-Vivillier. Mais cette histoire que ces conseils présidentiels, sept membres qui ont parlé là, ils ont déjà voyé jeter. Et Jean-Charles Moïse qui t'a clairement dit que, mais question conseil présidentiel, sept membres ça, libéral, mais t'es payant, n'a plus Kachou Boumbe, parce que vous pral joindre ces sept six présidents qui pral jouit tout ensemble de privilèges que yo ta dwe avec un président, yo pral jouit de PDM, yo pral gen plusieurs machines, yo pral gen plusieurs sécurité, alors que y a plein toute la semaine journée que qu'est-ce l'état ba gen l'argent, l'état en faillite, y a critiqué que l'état qui ba gen recette pa gen rentrée, alors que je dis an, qu'est-ce l'état pral pren l'argent pour capable payer ensemble de moun sa yo et mette pour camper au gouvernement qui pral mette campé par rapport avec, mais qui vient mette bon côté conseil présidentiel ça. Jean-Charles Moïse, qui lui-même dans la conférence pour la presse à Kulte Baye, je ne mercredi, lui mandé partisan Petit Desalinio, lui mandé aimé partisan Réveil National, lui mandé ensemble de partis politiques avec ensemble de Estriti qui est dans le pays, qui signe une déclaration 5 mars pour continuer à lever campé, pour dire qu'il n'y a pas de conseil 7 membres, parce que il n'est pas question que Bouygues travaille pour choisir le galonné, parce que l'été gaz qui t'a balle dans la rue, l'été gay qui t'a pris balle dans la rue, les gay des militaires qui t'ont arrêté, les gay des militaires qui sont en prison, les gay des militaires qui sont en maroise jusqu'à présent, mais qui est mon nouvel là, qui pral faire partie conseil présidentiel ça, ou dit moi ce qu'a fait conseil présidentiel ça, il n'y a pas de j'aime dans la rue qui donc je dis hein pas question c'est moun sa yo qui pral jouer ensemble de privilèges sa yo alors que peuple haïtien lui-même qui t'apprend gaz dans li pral rentrer la caili et li pral exactement mais souffrir de bataille que le té mené dans sens ça yo mandé que acteur yo pour continuer avec camper Jean-Charles Moïse et même dit clairement pour me citer Jean-Charles Moïse li mandé peuple là Jean le dit fait des autres parce que pour pas quitter question mais conseil présidentiel ça li rivé installé dans palais national. Et Jean-Charles Moïse Clair pour dire que ces conseils présidentiels, yo même qui à travers Petit Desaline et Réveil National, qui peut arriver installé dans le palais national, je que yo dit là. Encore, Guégui Philippe qui participe à critiquer décision car il comprend pour dire qu'il a mis un conseil présidentiel sept membres. Et en même temps, tout, le département d'État américain qui dit clairement que Guy Philippe n'a pas gain droit, mais fait partie conseil présidentiel qui a parlé là. Il y a une réaction. Une décision que Guy Philippe a voyé jeter et gain de partisans, gain de sympathisants, gain de proches Guy Philippe dans le département Kredos Payan et à travers Payan qui voyait jeter question mais CARICOM avec États-Unis qui dit que Guy Philippe a gain droit participer dans question conseil présidentiel. Ça n'a dit clairement tout gagné là, mais pour journée qui était jeudi 14 mars 2024 là, mais était environ 9h le matin côté que. Mais moun ta pral constaté un bon parti nan prison civile pénitentiaire nationale mais qui t'a pral passé en bas gros flamme difé mais jusqu'à présent pas gagné
éléments d'information pour qu'on ait qui ça qui t'a à l'origine, qui ça qui t'a à la base, dit fait ça qui t'a éclaté dans niveau pénitentiaire national. Mais l'issue est certain que, selon Santé Apprendre, bien avant par et Maître Arnel Rémy, après que nèg exam yo te fin mais craser prison et te permettre que plus passer 2000 à 3000 prisonniers sauvés, mais reste qui te rete yo, autorité dans l'État, te prend yo pour te capable retirer espace là, mais ça qui fait que capable dit c'est vrai gain dit fait qui mettait dans bon parti en dedans pénitentiaire national jeudi 14 mars là, mais selon information était déjà circulé pas de gain prisonnier en dedans pénitentiaire national pour nous dit bien selon ça qui dit bon côté des acteurs. Mais même les ça gain en pile acteur qui continue critiquer autorité qui okay, dit qui pas montrer ça relé autorité yo, qui pas montrer ça relé pouvoir chef yo pour empêcher que ça arrive en pays. Et je dis, nous tous on capable d'accord, on capable constater que ces bandits yo nèg exam yo qui a continué imposer propre loi en pays et pas personne qui capable empêcher yo faire ça ouvler j'en ouvler et façon ouvler, parce que je dis c'est eux même qui gagne manette, c'est eux même qui gagne contrôle pays et c'est eux même qui a décidé mais pour dire mais ça ouvler et mais ça va pas vle. Même gens nous capable tendre barbecue qui clairement dit que avec Vitel homme et bandit encore l'autre encore qui dit que yo pas nan question conseil qui pral monter et qui pral gagner la donne c'est international là qui pral imposer yo moun que yo vle, alors que yo même c'est yo qui goumen et c'est yo qui mette Ariel Henry dehors jodi an qui fait que le pas ka premier ministre, alors que jodi an là faut essayer comprendre ça qui a passé en dedans en pays là. On dit bien que par rapport avec situation ça qui gagne dans pays là, en pile acteur a posé question, en pile acteur a demandé qui ça, qui ça qui doit faire et qui ça qui peut le faire pour éviter que pays en fin effondré, amis internautes nous. Mais c'est avec quand même qui t'a suivre, qui peut le suivre, disons bien, qui peut attendre des tranches nouvelles, s'assumer cette nouvelle. J'en ai toujours dit et j'en après dit encore, c'est pour grâce avec confrère et puis concerne nous dans la voix de l'Amérique qui peut le porter au banou en détail. Mais là toujours mando ça, ou même qui a peine tombé sous channel ça yo. Like tranche nouvelle ça, partagez, quitte un commentaire et abonnez sous pourquoi abonner ensemble avec nous. Déjà, bonne écoute tout le monde qui peut regarder et qui peut attendre tranche nouvelle ça.